Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Danou. Alors, on se retrouve sur un petit logiciel pour faire ces maps Minecraft qui s'appelle World Painter. Alors là, je vais vous montrer comment créer un nouveau monde. Alors, je vais l'appeler, tiens, Danou. Danou 10, parce que voilà. Alors, je peux choisir les dimensions. Chut, on va faire ça, une dimension comme ça. Circulaire ou non circulaire, on va le prendre sur... circulaire, ouais, parce que voilà. Je vais le prendre flat. Matériel, je peux choisir tout ce que je veux. Bedrock, cobble. On va le garder en grâce. On va mettre en land. Bridge, ouais, voilà. Hop là. Bon, on s'occupe pas de l'autre. Hein. C'est juste en train de nous créer un nouveau truc pour... Voilà. Ça ressemble à ça, un cercle. Ok. Bon, bah là, on peut voir qu'on l'a en cercle. Comme on voulait. On a un cercle. Et à côté, ce sera du biome normal. Donc là, on peut voir qu'on aura du biome jungle. Là, du biome neige, jungle. Voilà. Nous, ce qui nous importe, c'est notre cercle. Qu'est-ce qu'on va faire de notre cercle? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on peut mettre, voilà, tout ça. Des biomes, de la population, des ressources, du vide, de la jungle. Swamp, pine, voilà, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai envie... C'est plat. C'est plat. J'ai envie... Je sais pas, moi, près du spawn, qui est une montagne. J'utilise ça pour faire la montagne. J'utilise mon clic gauche pour lever. Et mon clic droit pour baisser. Voilà. Donc si j'ai envie qu'il y ait une montagne là, je clique gauche et un fossé là, je clique droit. Voilà. Ah mince, il y a de l'eau. Comment faire pour la retirer? Alors, il y a cette... non, je me suis trompé. Il y a cette technique là, la sponge. À l'éponge. Bon, on remet l'eau. Oui, après, on prend la coupe d'eau et on fait. Bon, après, si... si on veut réaplanir... Si on veut aplanir ce trou, qui soit... pas profond, mais large. Voilà. Bon, après, moi, je vais... Hop là. Alors, moi, je veux faire un beau truc pour mon spawn, parce qu'on va dire que je veux faire un... Je veux commencer une survie sur un monde plat et tout. On va dire, tiens, si je me faisais une petite pyramide. Hop là, j'utilise pyramide et j'ai juste à cliquer. Hop, hop. N'importe quel clic, ça change rien. Hein. Ça va pas vous faire une pyramide dans l'autre sens. Là, je clique droit, là, je clique gauche. C'est toujours la même chose. Bon, je la veux pas, par contre, cette pyramide. Voilà. On va garder celle-là, hein. Je veux qu'il y ait une petite montagne derrière d'ailleurs. Hop, petite montagne carrée. Faire style temple, on va faire un temple en haut. Choisis aussi la grosseur avec la molette. Par exemple, là, ce sera vraiment une petite montagne. Je la vois même pas. Si on veut faire une petite montagne, et encore, ça ce serait énorme. Comparé à notre skin. Là. Voilà, on apparaîtra en haut d'une montagne. Là c'est pour changer les matériaux du monde. Par exemple, là déjà, si je veux, par exemple, je reprends mon cercle. Je vais prendre celui-là, je vais prendre ça. Voilà, je fais un trou. Je veux faire un grand trou profond. Là, je veux pas qu'il y ait l'eau. Franchement, l'éponge, je vous dis, ça va plus vite. Hein. Un clic d'éponge, voilà, y a plus rien. Là, je veux qu'il y ait un trou. Mais je veux qu'il soit en quelque chose d'autre que de la dirt. Bah là je vais chercher. Par exemple si je veux en cobble. En cobble and stone. En stone et en cobble. Ce sera de la cobble et de la stone. Hein. Voilà. Si je veux en... C'est quoi ça? La laine. Ah, de la snow. Moi je veux en nether. En netherrack. En pierre du nether. Donc à quelques cubes,
enfin quelques dizaines de cubes. Voilà. Là, je veux. Ah, ça, c'est. Vous connaissez les biomes Mesa? Bah, c'est la même chose. Alors, on va faire un petit biome Mesa. Tiens, là. Là, on aura un biome Mesa. On spawnera sur un biome Mesa. Rien de bien méchant, hein. Attendez, parce que je veux vous expliquer, vous dire ce que c'est. Ah, biatch, c'est beach, biatch. C'est bon, plage, un désert. Voilà. Bon après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Endstone, tiens, je veux que sur cette montagne là, cette montagne là soit en endstone. Bam, elle sera en endstone. Après, il y a les clés. Je veux la clé là. Si vous, par exemple, vous voulez faire un monde où vous voulez avoir pratiquement que de la clé, et après tout, voilà. Ensuite, Void, vide. Mais c'est quoi? Pourquoi du vide? Mais qui voudrait du vide? Bah, je vais vous montrer Void. Là, par exemple, je veux que sur là, sur la pyramide, il y ait un peu de vide. Bam, je mets du vide. Après là, hop. Je peux le retirer en faisant clic gauche. Bon, je prends mon carré et je retire bien ce que je veux. Voilà, je prends mon carré là, boum. Il y aura du vide. Bon, faire ça avec un brush. Brush, je sais pas si tout le monde va bien comprendre. C'est en fait que ça fasse des petits points et pas direct. Boum. Un gros vide. Moi, je vais prendre un petit brush, je vais faire ça là, quelques petits points de vide. Il y aura du vide sur la pyramide, on montrera boum, il y aura du vide. Par exemple, vous voulez faire un pote. Wesh, il n'y a pas de ressources sur ta map. Vous refaites une map chez vous en World Painter. Vous mettez toute une barre de ressources. Vous faites aussi. Ouais, on va jamais croiser de population. Voilà. Jungle. Caverne, jungle d'ailleurs, c'est pas ça, c'est ça. Jungle, voilà, ça s'affichera comme ça. Jungle, caverne, on va faire une petite caverne là, hop là, en rose. En rose, on aime le rose. Biome, faire un truc biome là. Non, biome, Z, ah oui, biome, ah oui, on peut choisir. Alors, Mesa, savana, on va mettre un petit peu de savane. Hein, juste à côté d'un Mesa. Oh, j'ai un petit peu froid. Snow, ça doit être ça. Non. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de laguer. Alors. Savannah. Ouais. Après, custom terrain. Bah, je sais pas encore. Je vous repréciserai quand j'aurai trouvé. Caverne, forêt, voilà. Bon, allez. Je vais faire un petit. Je vais me faire un petit kiff. Hein. Je vous fais une petite ellipse. Et re. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelques petites choses. J'ai zoomé pour faire une montagne et tout. Alors ça, c'est pour faire. Voilà. Attendez. Ça, c'est pour faire. Voilà, des petites montagnes. Des petites montagnes, des petits creux, voilà. Je vais faire un petit creux ici, là, voilà, comme ça, des petits creux. Ça, c'est pour changer notre point de spawn, voilà. Nous, on veut être en haut de la montagne. La montagne des rebords. Hop là, par exemple, là. Voilà. Et je vais aplanir. C'est comme si on étalait du beurre sur une tartine. Voilà, bon alors voilà, je vais faire un petit truc en fait. Je vais faire une montagne. Je vais baisser encore le radius. Je vais faire une montagne. Je vais faire une montagne. Ah oui, je me dis aussi. Je vais faire une montagne. Alors, je disais, je vais faire une montagne. Et je vais mettre de l'eau en haut. Vous voyez ce que ça peut donner. Hop là, voilà, on creuse bien tout parce qu'on veut pas une énorme inondation. De l'eau, on peut mettre de la lave, hein.
Mais dans mon cas, j'ai pas trop envie de laguer. Alors hop, je fais le trou, hein. J'ai un trou. N'ayez pas des pensées malsaines quand je dis ça. Non, je vous vois bien tous. Là. Il a parlé de trou. Là. Épongation. Ça ne se dit pas, c'est pas grave. Là, par exemple. Hop, je zoome. Bon, c'est très moche, hein. Boum, je mets de l'eau. Oh non. Quand ça vous affiche floating, ça vous a transformé tout votre truc en... Voilà, en eau. Alors faire attention. Surtout sur un super place. Alors je vais faire ça. Je vais faire un trou sur une montagne. Vous voyez? Hop. Hop. Comme par exemple si bah si vous voulez faire style je fais la grosse montagne. Voilà. Et là, prenez ça et je fais un grand creux dedans. Et là, vous mettez de la lave par exemple. Par exemple. Non. Par exemple, je fais encore plus un truc de gueudin. Hop, une montagne. Et un creux. Bon, là, je vais faire un creux. Voilà. Et là, ça vous met direct de la lave. Bon, après, là, je vais mettre de l'eau. Parce que j'ai... Voilà. Alors, voilà, on va avoir un petit truc comme ça. Hein. Après, par exemple, je peux faire... Ouais, je peux faire... par exemple... Terrain. Bedrock. Et là, Mais de la montagne. De la bedrock, la montagne. Ensuite, mais comment je fais? C'est un truc Warpainter, je peux pas mettre sur mon Minecraft. Dans l'occurrence, moi c'est mon Imagineercraft. Bah je fais export as new Minecraft map. En l'occurrence, moi j'ai choisi Imagineercraft, hein. Voilà. C'est bah vous allez là, vous choisissez Minecraft, je sais pas, Minefrench, plein de trucs. Là c'est Imagineercraft, Roaming Imagineercraft, le nom de ma map. Si je veux la renommer, par exemple, je vais appeler Test Painter. Voilà, alors là, je peux choisir les couches d'en dessous, hein. Je vais mettre des couches de... Non, je vais pas mettre des couches de ressources, sinon ça... Je vais mettre... Bah, je sais pas, en fait. Underground, je sais plus ce que ça veut dire. Bottomless World. Void. Oui. Bedrock Wall. Voilà. Caverne. Ressources. Alors, ressources, vous faites... on trouve jamais de diamants. Il y a jamais de diamants, hein. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut. Là, je vais mettre 100. Bon, allez, non. Je vais mettre 255. Non. 666. Level. 555. Occurrence. 111. Hein. Et on peut faire style. Mais il n'y a jamais de charbon. On a trouvé que deux blocs de minerai. Voilà, vous pouvez faire ça sur tout, hein. Moi, je peux choisir Large Bloom, Superflace. Je peux choisir Superflace. Voilà. Créatif. All Cheat. Ouais, voilà. Caverne. Je sais pas, moi. Caverne mini. 155. 155. Charm, ça, Other Layer, ça c'est la population sur les terrains. Plat, Sport Nation. Voilà. Bon, il est en anglais. Hein. Cavern Break, Charm Break, Remove, Water and Lava Open, Charm, Level.
Lava, foiseur, voilà. Général, Minecraft seed. Je peux choisir mon seed. Void, water, level de la voiture. De la voiture, de la water. Et tout. Ensuite, je fais export. Other layer, button, super flight mode. Mon mode. Other selection, Minecraft will ignore the biome and the population just chunk. Petite question. Bon, ça veut dire que ça ignorera la population sur les chunks, je pense. Là, ça va exporter. Hein. Bah. Petite ellipse le temps de l'export. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ça vous affiche about 35 minutes remaining. Please wait, export surface dimension. Ça veut dire attendez s'il vous plaît. Hein. Il reste encore 35 minutes d'export. Attention. Export.